On se retrouve ici à Malais 2.0 après cette défaite dans l'acte 4 du Lausanne Hockey Club ici à Malais 2.0. Donc je suis avec Loïc Hinalbon. Loïc, Zouk, c'est, ben vous l'avez dit, c'est un rouleau compresseur, hein, franchement. Ouais, ils arrivent comme des fusées, ils lâchent pas, ils nous laissent pas le temps de respirer, de prendre le. De prendre le temps de faire notre sortie de zone. Et puis c'est clair qu'après on prend des 2 minutes un peu. On prend des 2 minutes puis ça nous coûte les matchs, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé sur ce but? Le joueur de Zoug était un peu seul quand même quand il a pu tirer et puis battre Sandro Sourkirchen. Le deuxième? Ouais, ou le deuxième. Je sais pas. On va regarder ça demain la vidéo et puis corriger les petits détails et prendre le positif. Alors il y a cet acte 5 du coup jeudi à Zoug. Ce sera peut-être le dernier match de la saison. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que ça ne soit pas le dernier match aussi ici à Malais 2.0 aujourd'hui? Non, bah faut qu'on fasse les choses simples, qu'on mette beaucoup de pression sur le but, beaucoup de pression en zone offensive comme ils le font eux. Et puis faut qu'on soit désespéré à encore jouer des matchs, parce que nous on n'a pas envie de finir notre saison sur un 4-1. On a envie de continuer à jouer le plus possible et puis on va travailler, on va se battre pour jouer encore une fois ici. Offensivement, c'est quand même compliqué, ça fait 2 matchs que vous ne marquez pas. Qu'est-ce qui manque finalement pour trouver quelque chose, pour trouver ce cadre de Tobias Stéphane qui protège aussi bien sa cage, il est vrai, mais... Je pense que c'est simplement de mettre beaucoup de pression sur le but, quoi, parce qu'on a vu les fois on a mis beaucoup de pression sur leurs défenseurs, qu'on a réussi à créer des turnovers, qu'on a réussi à mettre des passes aux défenseurs puis aller au but. On a eu des bonnes occasions, on a eu des bonnes occasions, quoi. Et puis c'est juste faire les choses simples, quoi. Faut mettre les pucks au but, driver, et puis aller tête baissée au but, quoi. Merci Loïc Hinalbon. Donc on espère que jeudi ça sera pas le dernier match sur Global Sport du Lausanne Hockey Club en cette saison 2018-2019. Vous pourrez donc bien évidemment suivre sur Global Sport. Bonne soirée à tous.